Bonjour Jacques, alors vous arrivez donc de la Guyane pour nous présenter une nouvelle invention. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Voilà, c'est un dispositif que j'ai mis au point pour protéger les maisons de la chaleur du soleil. D'accord, oui, c'est un vrai problème entre les tropiques. Alors montrez-nous un peu comment ça fonctionne. C'est très simple, donc par-dessus la toiture d'origine, on fixe une tôle perforée. Et la tôle perforée a la particularité de ne pas s'élever en température, donc de ne pas se réchauffer au soleil, à cause d'une convection naturelle qui fait que lorsqu'on a une petite différence de température entre la face supérieure et la face inférieure, eh bien l'air qui est froid est aspiré vers le haut. D'accord. Alors vous avez déjà fait un essai, c'est votre maison là derrière ? Oui, tout à fait. Donc ça a été validé. Alors quels ont été les résultats en fait de l'expérimentation ? Bien, comme le montre le tableau, c'est quand même assez spectaculaire puisque sans la protection, on a des températures de toiture qui peuvent dépasser 60 degrés. Et donc à ce moment-là, à l'intérieur de la maison, on a des températures couramment de 38 à 40 degrés. D'accord. Et avec la protection, on a des températures qui restent voisines de la température ambiante qui, le jour des mesures, était de 31 degrés. D'accord. Bon, alors qu'est-ce que vous êtes venu chercher en participant au Salon de Genève ? Bien, je suis venu chercher éventuellement des contacts avec des industriels qui seraient capables d'installer ça. D'accord. Bon, bah, écoutez, bonne chance et puis bon courage pour la suite.